Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour pour vous qui nous suivrez en rediffusion. Comme invité aujourd'hui, j'ai mon ami Achimba, Boubimba Achimba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Kibambi Chintoa. Modeste Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette campagne. On va se poser la question aujourd'hui de savoir pourquoi la République démocratique du Congo est-il ce pays qui, pour tous ceux qui arrivent, est un pays béni parce qu'ils arrivent à se retrouver, et pourquoi pour le plus grand nombre de Congolais c'est carrément une malédiction parce qu'ils peinent pour trouver de l'argent. En un mot, nous allons essayer avec vous de chasser la pauvreté. C'est vrai que quand c'est dit par quelqu'un qui n'est pas congolais, ça semble même, ça ressemble à une injure, à une insulte. Mais puisque c'est nous qui sommes concernés, dans cette émission, nous avons, dans une de nos précédentes émissions, nous avons essayé de compter combien il y avait de riches. Cette comptabilité s'est arrêtée à une dizaine, puisque l'argent ne parle pas. Parlons d'une centaine. Peut-être que nous serons dans le bon. Mais le constat est là. Il y a des amis sénégalais avant l'indépendance qui sont passés par ici, qui s'en sont retournés chez eux avec beaucoup d'argent. Les Libanais, ils sont partout. Les Indo-Pakistanais, ils arrivent un jour. Trois semaines après, ils roulent mécanique. Les Chinois, aujourd'hui. Alors, pourquoi nous-mêmes, nous avons de la peine à nous retrouver? Est-ce de leur faute? Est-ce de notre propre faute? Je crois que, avant d'aller plus loin, je commencerai par poser à mes amis, Modeste qui est économiste, d'abord la question de savoir comment lui définit la pauvreté. La pauvreté, c'est quoi, Modeste? Oui, merci, monsieur Kibambi, pour déjà le souci que vous avez voulu partager avec nous de réfléchir sur la pauvreté, les causes, d'où vient cette pauvreté, alors que dans notre pays, les autres viennent de loin, ils font fortune en très peu de temps. C'est comme si nous-mêmes, nous n'étions pas capables de voir cette richesse-là qui dort chez nous, dans le sol, dans le sous-sol, partout. Eh bien, définir la pauvreté, à mon avis, c'est finalement assez simple. Parce que, à mon avis, la pauvreté est d'abord mentale, avant d'être une réalité vécue. Il faut se dire, il faut intérioriser qu'on est pauvre pour qu'on le soit effectivement. Parce que je me souviens encore avoir trouvé dans la biographie d'un ancien un monsieur qui était né comme nous, mais qui est devenu millionnaire par la suite, et qui a lancé une marque de parfum, je crois que ça s'appelait Azaro. Il a dit, moi je n'ai jamais accepté que j'étais pauvre. Alors qu'il était, il était encore comme vous et moi, et il s'invitait partout, il y avait des grandes rencontres, des gens riches. Et à la porte, quand on lui demandait son invitation, il dit, ah, vous ne me connaissez pas? Alors tout le monde se disait, ça doit être quelqu'un de très célèbre qui a certainement oublié son invitation. Et il entrait comme ça partout où il y avait des gens célèbres, des gens riches. C'est qu'il avait juré de ne jamais être pauvre, en tout cas
de sortir très rapidement de cet état-là de privation, de précarité. Et effectivement, très jeune, il était déjà un homme riche. Donc, il suffit de se prendre pour quelqu'un de riche pour effectivement le devenir. Parce que vous allez mettre tout en œuvre. Vous allez utiliser au maximum tout ce que vous avez comme potentiel pour arriver effectivement à être riche. Donc, il faut d'abord sortir mentalement de la pauvreté pour espérer effectivement devenir riche. J'ai beaucoup aimé la façon dont vous dites, pardonnez-moi vraiment, vous dites comme nous, comme vous. Ça veut dire que nous sommes pauvres. Vous dites comme vous et moi. Oui, c'est-à-dire que nous n'avons pas les signes extérieurs de la richesse. Mais nous n'avons jamais intériorisé le fait que nous étions pauvres. Oui, oui. Parce que nous pensons qu'effectivement... Nous avons le minimum. Nous avons... Et puis par rapport à la moyenne nationale, certainement que nous ne sommes pas dans la catégorie des pauvres. Merci. Alors, mais je pense que vous avez déjà répondu à ma place, parce que moi je me posais la question. Finalement, qu'est-ce qui fait que quelqu'un soit riche ou pauvre? Est-ce que moi je suis pauvre ou je suis riche? Et alors c'est là le problème, le degré zéro de la richesse ou de la pauvreté. Il se situe à quel niveau? C'est ça la question que je me pose. Le degré zéro de la pauvreté. Bon, j'ai reçu M. Jean-Pierre Mongo, qui est économiste du développement, qui dit, c'est de savoir pour un pays si on est au-dessus d'un certain niveau, qu'on a un revenu intéressant, qu'on n'a pas un certain confort, on est en deçà d'un certain confort, qu'on ne sait pas manger. Donc, la pauvreté, en fait, c'est beaucoup, beaucoup de choses à la fois. Mais c'est aussi l'accumulation de richesses, c'est-à-dire l'accumulation de l'argent. Plus vous avez de l'argent, moins vous êtes pauvre. Alors m'arrive l'envie de vous poser cette question. Quel est le rapport que le Congolais a avec l'argent, Monsieur Modeste Polikaba? Oui, là, c'est une question intéressante, effectivement, parce que elle nous permet de comprendre le comportement du Congolais vis-à-vis de l'argent. Nous avons plusieurs catégories, effectivement. Il y a des gens qui sont partis de zéro pratiquement, faisant des petites choses, et puis ils sont montés jusqu'à devenir des grands messieurs. Vous remarquerez que ces gens-là ont un rapport à l'argent tout à fait différent de ceux-là qui étaient du jour au lendemain, parce qu'il avait un oncle ou un cousin ou ceci, qui était dans le rouage de l'appareil étatique, et qui s'est retrouvé au carrefour de plusieurs opportunités pour accumuler de l'argent, parce que tous les dossiers passaient par lui, et les dossiers où il fallait chaque fois le motiver, comme on dit, pour qu'il signe, et au bout de quelques temps, il est devenu millionnaire. Lui n'a pas souffert pour accumuler cet argent. Et vous remarquerez que lui aussi, lui va plutôt se comporter comme, effectivement, vis-à-vis de l'argent, comme les philanthropes, oui, qui distribuent à tour de bras. Appelle ça taraté. Parce qu'il n'a pas souffert pour avoir cet argent. Alors, naturellement, il va en quelque sorte infuser cette mentalité à sa progéniture, à tout ce qui l'entoure. Et on peut dire que historiquement dans notre pays,
ceux-là qui sont issus de ces générations-là sont plus nombreux que ceux qui ont souffert parce qu'ils ont connu toutes les étapes de la vie où on est vraiment dans le manque, dans la privation, et puis petit à petit on a commencé à mieux respirer, à avoir plus d'aisance. J'ai beaucoup aimé privation. Ouais. Parce que souvent, ils se privent de beaucoup de choses pour accumuler de l'argent et devenir ou compter parmi les riches. Même question à mon ami Ashimba. Quel est notre rapport, d'une manière générale, avec le rapport du Congolais à l'argent? Quel est ce rapport? C'est un sujet très difficile pour moi. Parce que si je dois définir le rapport du Congolais, moi je suis moi-même Congolais, oui. Je peux définir ça par rapport à moi-même. Oui. Or moi, comme toujours, je vous ramène à mes racines, à mes commencements. Dans ma société, il n'y a ni riche ni pauvre. C'est-à-dire dans la société traditionnelle où il y a des clans, d'abord il n'y a personne qui peut dire qu'il possède lui, seul il possède. Ce sont des clans qui possèdent des terres, qui possèdent des rivières, qui possèdent des forêts, qui possèdent des brousses et du bétail, etc. Et on dit, ces clans-là, il est riche. Pas un individu. Un individu, oui, quelqu'un qui travaille beaucoup, d'accord, mais il enrichit son clan, ce n'est pas lui. Il ne va pas s'exhiber que c'est lui qui est le riche. Cette notion-là, moi, je ne l'ai pas connue de toute mon enfance jusqu'à à l'âge adulte de 18 ans. Mais nous, quand nous quittons, nous venons en ville, qu'est-ce qu'on remarque? Déjà, moi, en province, quand je suis à l'école, toute l'ambition que nous avons, quand nous nous formions, toute ma génération, en tout cas à l'école, on ne nous disait pas, les gens disaient pas, moi je vais faire le commerce, je vais pour que je fasse ceci. C'est un voleur, un petit voleur celui-là. Nous, c'est être enseignant, être prêtre, être fonctionnaire, commis de l'État. Voilà les ambitions que nous, franchement, je vous l'ai dit. Ben, j'ai même honte de le dire aujourd'hui, mais c'est ce que faut pas nous étions fiers. Non, nous étions fiers. De nous présenter. Demain, je serai un fonctionnaire, je serai un enseignant, je serai un prêtre. C'est ce que nous on cherchait à devenir. Mais si vous étiez à Singapour. Mais avec le temps, nous sommes vers les années 70, passé les années 70, on se rend compte qu'il y a des gens qui deviennent riches. Et au départ, au Congo, ici, les gens qui étaient riches, c'était qui? Lorsque les Belges sont partis en catastrophe, ils ont laissé les biens. Il y a des usines et des biens, des véhicules et tout ça. Il y en a qui se sont dit, bah, nous on ne reviendra plus. Et les gérants ou les commis pointeurs qui travaillaient avec lui, il dit, moi je te laisse, tu peux prendre la maison ici avec un camion, bon, avec ceci. Et le monsieur se retrouve un jour avec maison, camion et tout ça. Et il y en a qui étaient un peu plus sages, ils se sont organisés pour avoir les richesses. La première personne riche qu'on a trouvée, même ici à Kinshasa, parce que je n'ai pas beaucoup qui quittent Kinshasa, j'ai voulu ici à Kinshasa vers les années 71 quand je suis arrivé, des gens qui avaient l'argent. Je peux te donner l'exemple, l'asphaltage pour la première fois de la route de Kikwit ici. Et même, vous prenez le marché. Tout ce qu'il y a aux environs du marché, toutes les concessions là-bas, la maison de police, même le terrain de marché, ça, c'est Ngunz Bonaventure qui avait donné Ngunz à Bonaventure qui avait cédé ça à Mobutu, son ami. Mais lui, là, il le commande. Ce sont des anciens commis de tout à qui on a laissé beaucoup de choses. Quand vous prenez, ils sont nombreux comme ça. Regardez également, quand vous allez sur le 30 juin sur l'avenue Kasavubu. De ce côté, c'est la poste. Et ici, là, on vient de construire des immeubles. Toute cette concession-là. Il y a un bon commis d'une société
de Palmeret qui avait apprécié le monsieur. Il dit, bon, moi je m'en vais, je vous laisse tout ce que je vous laisse. Mmh. Et ils ont démarré comme parmi les riches. Et je peux donc donner plusieurs exemples. Que sont-ils aujourd'hui? Et j'ai dit, aujourd'hui, non, si, ils ont l'argent. Très bon. Alors, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Après, nous avons vu une nouvelle génération de riches. C'était qui? Ce sont les commis de l'État, c'est-à-dire des ministres. Des ministres dans le gouvernement de la Deuxième République. Ils ont l'argent. Ils ont des maisons, toute la Gombe ici. Et je crois que même des maisons jusqu'aujourd'hui, on dit que les biens abandonnés et les biens mal acquis. Ils sont encore mal acquis jusqu'aujourd'hui. Il y a des concessions qui sont occupées comme ça. Parce qu'on a ramassé. C'est le pillage de ce que les gens ont laissé. Et il y en a qui étaient plus malins, ils sont devenus riches. Et après, j'ai dit, cette génération, maintenant la troisième génération, c'est la génération de ceux qui ont travaillé à la Deuxième République. Parce que là, la politique commence avec l'argent, commence à distribuer l'argent. Pour que tu soutiennes le système. On te donne de l'argent comme ça. Et maintenant, la distribution de l'argent à partir du trésor, on n'a pas gagné ça avec ceci. Conclusion, et, oui. Non, il ne faut pas conclure tout de suite parce qu'il faut que ce soit bien compris. Mm-hmm. Et c'est là qu'on a commencé à voir des jeeps, plusieurs femmes, plusieurs voitures, des maisons que les gens construisent, mais pas avec leur argent. Mais... Et aujourd'hui, beaucoup qui sont des administratifs, dans les entreprises d'État ou les services d'État où il y a l'argent, qui génère l'argent. Et tu lui demandes son salaire et c'est l'équivalent de 70 dollars. Il est directeur. L'équivalent de 70 dollars. Alors, quel est son comportement avec l'argent? Mais, c'est la question. Il a deux jeeps qui coûtent une jeep qui coûte 80 000 dollars. Et sa femme, il y a une autre jeep. Les enfants, ils ont ça. Ils regardaient la maison des immeubles qu'ils construisent dans la ville, mais qui représentent des millions de dollars, mais lui, il ne gagne que 70 dollars par mois. Donc, l'argent de l'État. Donc, on est allé dans les COP, dans les rétro-commissions, dans la corruption. Et on est entré là-dedans. Oui, mais... et maintenant, quand tu es là, Kibambi, comme maintenant, je crois que vous avez vu ici, dans toutes les institutions où il y a élection, assemblée provinciale, tout ici, partout, c'est, Kibambi va, il prend sa femme, il va son fils, il prend son beau-frère, et tous deviennent des élus du peuple. Là, vous êtes allé loin. Moi, je voudrais. Mais non, connaître... c'est pas d'où vient l'argent non, et non, la pauvreté, non, c'est la pas ça. Et si tu le as. Le comportement du Congolais vis-à-vis de l'argent. Tous ces gens de l'argent, dit, l'argent, c'est l'argent facile. Alors. Et avec l'argent facile, le comportement de c'est quoi? C'est de chercher partout où il y a la facilité pour que j'ai de l'argent. Et quand on l'a, on ne va pas investir pour faire quoi que ce soit. Mais simplement pour jouer avec ça. Jouir. Parce que, pas seulement jouir, mais jouer avec cet argent. Et avec des comportements ostentatoires de quelqu'un qui a l'argent. J'ai un exemple, Jean-Pierre. Pendant toute cette période, regarde ce que j'ai dit, la Deuxième République, il y a l'argent qui circulait dans le pays parce qu'il y avait à un moment donné l'économie qui marchait, les cuivres et tout, et tous les diamants et tout ça. Il y a eu l'argent, il y a le Congolais qui a eu l'argent. L'exemple du Sénégal. Mais le problème, c'est quoi par la suite? C'est que, aujourd'hui, même ceux qui sont dans les. Qui aujourd'hui a travaillé avec le maréchal Mobutu, qui a des usines, qui a des entreprises, qui engage 200, 500 000 Congolais, qui leur donne du travail, et lui est assis, et qu'au niveau de la FEC, on trouve qu'ils sont assis avec l'argent qu'ils ont travaillé eux-mêmes. Tu ne les comptes, si tu les comptes, tu ne termineras même pas une seule main. N'arrivera même pas à tenir. Donc, le comportement qu'ils affichent avec l'argent est un mauvais comportement. Le bien mal acquis ne profite jamais, dit-on. C'est un argent qu'on a dilapidé. Moi, quand j'étais en formation en Europe, je m'excuse de donner cet exemple, j'avais une collègue qui était sénégalaise de Casamance.
qui me dit un jour, tiens, tu sais, si tu m'épouses, moi je vais pénétrer le milieu de mes frères sénégalais, parce que ceux qui vont là-bas, me disait-elle, sont des tout couleurs, c'est-à-dire des gens qui, pour la plupart, ne vont pas à l'école. Si tu m'épouses, même pour 2 ans, je vais là-bas, je pénètre le secret, et je vais te laisser de l'argent, je vais partir avec de l'argent. Parce que ceux qui sont généreux à Dakar, quand arrive la Bastille, ce sont les gens qui sont venus de chez toi. Alors, je me dis, mais pourquoi ont-ils, eux, gardé beaucoup d'argent? Ils ont prospéré. C'est peut-être parce que leur comportement vis-à-vis de l'argent est différent du comportement que notre ami Mobimba Hachimba vient d'afficher. Ah oui, c'est sûr, parce qu'il y a, tout un parcours qu'il faut avoir. Voyez les Libanais d'aujourd'hui. C'est, hein, je crois que c'est les Phéniciens, ça remonte à cette époque. Oui. Hein, les Grecs aussi ont commencé très tôt avec le commerce. Donc, comme vient de le dire notre ami Cyril, nous sommes forgés pour être, on est fiers de devenir un jour enseignant, infirmier, fonctionnaire. Mais avec cette mentalité-là, vous n'arriverez jamais à être des riches. L'Amérique d'aujourd'hui a été construite par des entrepreneurs, des gens qui venaient, qui fuyaient la famine en Europe, qui fuyaient les persécutions de tous ordres, et qui sont allés construire cette Amérique-là. Donc des entrepreneurs pour la plupart, pas des fonctionnaires. Or, nous avons eu la chance d'avoir un pays qui a énormément de richesses, mais nous-mêmes, notre mentalité n'est pas celle de devenir riche, c'est celle de devenir bien, fonctionnaire, calme, tranquille. Honnête. Et du coup, mais il faut, je crois, quand même ajouter que si le colonisateur avait le souci de dire bon, il faut quand même une classe moyenne, il faut les inciter, on aurait trouvé en 60 une génération de gens qui avaient déjà commencé à... Bon, il y avait un petit embryon, on a donné des crédits aux classes moyennes à quelques-uns, à Bukavu j'en ai vu, mais... C'est pour acheter une maison. Oui, c'était pas pour aller loin. Donc, est-ce que le colonisateur voulait justement nous éloigner de tout ce qui est recherche de l'argent, de la richesse, ou bien c'est nous-mêmes qui... Parce que les Sénégalais dont vous parlez, les tout couleurs et autres, bon, ils n'ont pas appris sa part. Ce n'est pas le blanc qui est venu leur apprendre. Je veux vous ajouter un truc. Ouais. Et la fille de me dire, quand ils allaient chez vous, ils avaient une chanson. Ils disaient, nous allons au Congo. Là, nous avons rencontré des gens qui ne sont pas comme vous, qui ne sont pas comme leurs frères. Donc, ce que vous dites est tout à fait vrai. C'est-à-dire, nous avions des ambitions très au minimum. Oui. Ce qui fait que en 60, au lieu que nous ayons cet embryon qui allait prendre en main l'économie, notre ami Cyril a montré comment c'était comme ça par hasard. Vous étiez capita vendeur d'un commerçant blanc qui est parti. Il vous laisse ça. Donc vous avez appris comment il fait la comptabilité et tout ça. Vous arrivez à maintenir et peut-être à faire prospérer l'entreprise. Mais ce n'était pas qu'on a formé des gens avec cette volonté de faire émerger une classe moyenne d'hommes d'affaires, d'industriels, etc. Or, ce vide-là, en 60, ne sera pas comblé par des hommes d'affaires, mais des politiciens. Donc les politiciens vont devenir eux-mêmes commerçants, ils font ça. Ce qui fait qu'ils vont étouffer l'émergence d'une vraie classe moyenne authentique. Parce que quand même, on ne peut pas perdre de vue qu'on voit, il y a des gens qui sont... moi j'en ai vu, on en a vu. Oui, qui ont commencé comme il avait son camion, qu'il conduisait lui-même, et puis il est devenu lui-même un grand. Moi je peux citer des gens au Nord Kivu là-bas, les Ngezayou et autres.
Bemba Saolona. Bemba Saolona lui-même. Donc il y a eu des gens qui ont commencé vraiment très bas et qui ont émergé. Donc si l'État avait compris dès le 30 juin 60 qu'il fallait créer une force économique authentiquement nationale, il aurait pu créer les conditions, les banques de développement, toutes ces choses-là, pour accompagner ces entrepreneurs qui étaient encore vraiment au bas de l'échelle, qui se sont débrouillés tant bien que mal, mais on aurait pu avoir, ça aurait pu avoir plus d'ampleur. Mais vous parlez de 60, Mobimba, mais aujourd'hui nous sommes en 2020. Mais notre comportement vis-à-vis de l'argent est celui-là. Il fait que vous donnez à un cousin 100 000 dollars pour qu'il aille faire quelque chose, là il se débrouiller, même s'il a fait les sciences qui pourraient l'aider à faire. Non, priorité, deux femmes, belle voiture, et puis montrer à tout le monde qu'on a de l'argent. Donc, un esprit de pauvreté. Oui. Kibambi. Il y a beaucoup, notre culture, la culture congolaise, africaine, d'origine africaine, a été détruite, comme on a, j'ai souvent de le dire, par des choses que nous avons vécues depuis la colonisation jusqu'ici. Mais il y a eu néanmoins, par-ci, par-là, certaines habitudes. Je vais donner un exemple et vous allez comprendre. Le Congo est une méga nation. Et il y a plusieurs nationalités les unes à côté des autres. Il y a des nations, de par ma réflexion, j'en ai trouvé deux, dont une qui excelle. L'esprit mercantile de travailler, faire le commerce, faire fructifier l'argent, et devenir d'entreprise. Cet esprit d'entreprise. On la trouve par exemple dans les Kwilu, chez les Mbunda, les Mbunda et Babunda. Ils font des casseroles, des bols à terre cuite et ils traversent des brousses et des bouts pour aller revendre, avoir l'argent. Ils achètent une bête, ils les élèvent. C'est un esprit d'entrepreneuriat était très fort. On a beaucoup admiré ça. Malheureusement, ça a été cassé à partir du moment où on a fait des rébellions. Tout le monde a pensé que le salut vient de la politique. Et maintenant, tu vois les histoires dans les couilles là-bas, tout le monde veut faire la politique, comme maintenant ici d'ailleurs, et ici à Kinshasa. Tout le monde est spécialiste de politique, y compris les enfants de rue. Il suffit de les jeunes. Il faut poser la question à n'importe quel enfant, n'importe quelle dame qui va les histoires. Qu'est-ce qui s'est passé au palais du peuple? On vous donne avec tous les détails. Tout le monde, est analyste politique, comme on le dit. Mm-hmm. Alors, je donne un deuxième peuple, c'est les Nandés. Les Nandés, tu sais, quand je travaillais avec moi-même, j'avais manqué d'aller là-bas à Butembo, à Lubero et tout. On avait une usine là-bas. Ce sont des gens qui sont des entrepreneurs de par leur culture de base. Et ils ont le commerce dans l'ADN. Oui, je ne te trompe pas. Vous savez que c'est eux qui ont montré au reste de Congolais la route de la Chine, la route de l'Inde, la route. C'est partout là-bas. C'est eux les premiers qui ont été en Inde. Quand les autres ont compris, c'était trop tard. Eux, ils avaient déjà 200 camions et tout ça. Donc, effectivement, ceux-là, ils sont exceptionnels. Oui. J'ai travaillé avec des Occidentaux qui avaient l'habitude d'aller là-bas. Bon, on m'avait invité une fois, je ne suis pas allé. Malheureusement, j'avais manqué ça. Ils disent, mais ils sont des gens qui ont un autre esprit par rapport à vous autres ici. Que tu peux trouver quelqu'un comme ça. Oui. Mais pas vraiment, il ne te dit rien. Pas élégamment. Il a 40 millions de dollars dans son compte. Mais tu ne donnerais pas, tu ne lui donnerais même pas 1000 dollars à la maison. Mais en réalité, c'est un millionnaire. Ils ont de gros camions et des chaînes qui vont à l'est de l'autre côté. Oui, oui. Jusqu'à Mombasa prendre des marchandises. Et ils le font depuis déjà des années. Oui. Alors, donc,
ils viennent ici, ceux-là, ils ont, je dis, le Congo, il est vaste. J'ai pris les Bunda qui ont malheureusement perdu cet esprit avec la politique. Et les Nandes, j'espère qu'ils ne vont pas perdre ici. Ils viennent à Kinshasa ici pour trouver ici où tout le monde est analyste politique. Ils risquent de tout perdre. Ils ont des hôtels, mais puisqu'ils ont construit des hôtels ici, puisque ils respectent l'argent, les gens ne savent pas qu'ils manipulent beaucoup d'argent. Ouais. Je vais vous donner un autre exemple, mes chers amis. Regardez nos pauvres, hein, les enfants de la rue et les autres pauvres. Nous avons tous été en Europe. Quand vous trouvez un clochard, vous lui donnez une pièce d'argent, il dit merci. Mais si vous donnez 200 francs à un enfant de la rue, il vous dit cacouille. Et puis, il commence lui-même par me dire Pesangai Ata. Ça, ça m'énerve. Pesangai Ata 700 francs. Donc, il s'est donné même une, son niveau. Une limite en deçà de laquelle il ne faut pas aller. Ça, c'est aussi un esprit bizarre. Et un autre esprit, parce qu'il a parlé des Nandais, c'est l'esprit de vouloir démontrer aux gens qu'on est vraiment très bien. Et on s'habille, c'est le smalto, ils connaissent tous les grands couturiers, au lieu de s'habiller honnêtement. Mais ce sont des comportements qui font en sorte qu'on perd l'argent au lieu de l'accumuler. N'est-ce pas? Oui, c'est là on est dans la culture du paraître. Oui. Donc, le m'as-tu vu? Il a les derniers trucs qui sont sortis. Alors que peut-être qu'il a pris ça à crédit. Il doit encore chercher l'argent pour payer. Mais il veut qu'on dise, tiens, mais vous avez vu sa veste là, sa chemise, etc. Donc, on est vraiment des m'as-tu vu. C'est malheureux de le constater, mais c'est ça la réalité. On est superficiel. Oui. Parce que ailleurs, Obasanjo, le président du Nigeria dans les années 2000, il a décidé de créer des milliardaires nationaux. Il était président du Nigeria et il a pris les dispositions en conséquence. C'est-à-dire, le secteur ciblé, les hommes d'affaires qui étaient déjà là, qui avaient fait leurs preuves, chacun dans son domaine, mais qui méritaient qu'on les pousse davantage, et la politique protectionniste pour justement ne pas faire concurrence à ces jeunes ou ces jeunes entrepreneurs nationaux qui émergeaient, qu'il fallait donc accompagner. Et aujourd'hui, une vingtaine d'années après, effectivement, le Nigeria compte des milliardaires. Les Dangote et tout. Les Dangote et plein d'autres qui ce n'est pas lui qui les a fabriqués. Non, il les a poussés. Soyons clairs, mais c'est lui qui a décidé de les booster et de faire la place aux nationaux de manière à ce que les différents secteurs stratégiques soient contrôlés par des Nigérians. Aujourd'hui, l'économie nigériane est à 80% entre les mains des nationaux. Tout à fait. Nous ne venons pas de démontrer que nous n'avons pas le respect de l'argent. Que l'argent, je vous donne malheureusement un autre exemple. Je suis dans la banlieue de Paris. 10 centimes me glissent des mains. Alors la dame prend le balai et se donne beaucoup de peine. Je dis non, non, madame, vous savez, c'est ça. La dame se redresse et me dit, monsieur, pour arriver à 1 million, il faut commencer par 10 centimes. Je crois que nous ne respectons pas suffisamment l'argent. Et surtout l'argent qu'on vous a offert comme ça gracieusement. Je crois que dans le chef de nos compatriotes, il faut cultiver cet esprit. L'argent, ce n'est pas quelque chose avec laquelle il faut s'amuser. C'est quelque chose qu'il faut respecter parce que c'est seulement grâce à cet argent que vous pouvez évoluer et accumuler des richesses et prospérer.
n'est-ce pas? Oui, c'est exactement ça, parce que quand vous parlez, un exemple me vient à l'esprit, les années 2002 jusqu'à 2006, j'avais encore une maison en Afrique du Sud et j'allais 3, 4, 5 fois par an. J'arrive, il y avait des jeunes gens, mes enfants aussi qui étaient là. Nous allons dans le magasin, j'achète ces pas quoi là, on me remet des pièces. Oh, des pièces. Je dis, mais où est-ce que je vais mettre tout ça? Des pièces, hein? Je dis, bon, on pouvait garder tout ça. Mon fils dit, non, papa, tu prends, c'est ma fille. Papa, il ne faut pas. Ici, tu vois les juifs ici. Quand ils nettoient les magasins après, ils ramassent des petites pièces là. Ils ont des boîtes pour le mettre. Ici, on ne jette pas ça. Et surtout les juifs. Quand les autres là, ils jettent, ce sont les juifs qui viennent ramasser ça. Alors, tu ne peux pas le dire. Il dit non, mais regardez, nous, on avait aussi des centimes, nous avons fait Meya, Naba Makuta, il y a très longtemps quand j'étais enfant, mais maintenant, chez nous, ça n'existait pas. Nous n'avons que des billets qui ont de grandes valeurs. Il dit, je te comprends, mais ici, depuis que je suis arrivé, j'ai pris une autre couleur. On doit garder toutes ces pièces-là. Ici, pourquoi la valeur de l'argent ne prend pas? Parce que on n'arrive pas, même notre économie, les autorités n'arrivent pas à maintenir. Que, ailleurs, l'inflation, ça existe aussi. Mais ils gardent des petites pièces de monnaie. Nous avons l'argent qui n'a pas de monnaie. Les Zaïre, quand il a commencé, il y avait les Makuta et tout ça. Et les Sengi. Oui. Ça, depuis que ça avait existé, il n'y a plus de 40 ans, ou c'est pas 50 ans maintenant, on ne connaît pas de pièces dans ce pays. Et chaque fois quand on sort, quand nous regardons, quand on a créé les francs congolais ici à Palmouze, mais il y avait des billets d'un franc, 5 francs, et ceci, 10 francs, et tout ça, 20 francs, ça a disparu, tout ça a disparu. Parce qu'il y a un autre problème là de... Il y a un autre problème. Et ce qui fait que, vous, non seulement au niveau étatique, on n'arrive pas à maintenir pour que les gens s'habituent avec ça, mais on encourage aussi, et les gens, Dieu veut lui donner ça, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Qu'est-ce que je vais acheter? Les billets de 10 francs et de 200 francs aujourd'hui. De 100 francs et de 200 francs aujourd'hui. Et de 50 francs, ça ne sert à rien. Le minimum est devenu 500 francs. Et puis, vous savez... Je raconte une anecdote. Le président Gbagbo m'avait invité quand j'étais encore RFI. Bon, on me paye un billet en business. Je vous assure, je parle à mes compatriotes, j'ai jamais pensé payer un billet business. Je trouve ça ridicule. Alors, j'avais un billet business, je pars. Quand je reviens, je trouve à l'embarquement de Paris à Kinshasa, un ami qui était accompagné d'un des gouverneurs de la banque, qui était gentil, hein, il me dit, tu sais que c'est l'entrée de la première classe ici. Je dis oui, je le sais parce que j'ai acheté avec mon argent. Faux. Donc je voulais me montrer. Impressionner. Ou impressionner. Cet impressionnisme. Alors le gouverneur me dit, mais comment? Mais il t'a averti, parce que ce serait plus gênant d'arriver là-bas, de dire, non, monsieur, allez. Alors, pour montrer à l'ami que lui, en fait, il a voyagé aux frais de la princesse, je lui dis, non, je le sais, parce que moi, j'ai personnellement acheté le billet. Je trouve quand même ridicule des gens qui peuvent aller jusqu'à payer les billets business qui coûtent trois fois plus cher que les billets normaux. Moi, puisque j'essaie de respecter l'argent, je n'irai pas jusque-là. Mais je ne déconseille pas à ceux qui le font de le faire. Mais nous sommes entre-temps en train de gaspiller des devises qui peuvent nous servir à autre chose. Donc, le fait que nos pauvres refusent qu'on leur donne des pièces, il n'y en a pas, des petites coupures, c'est vraiment révélateur du fait que nous ne respectons pas l'argent.
Mais il faut dire à nos compatriotes que pour chasser la misère, il faut respecter l'argent. Et un autre péché que nous venons de dénoncer ici, c'est cet impressionnisme. Vous impressionnez les gens, mais pourquoi? On vous donne de l'argent parce que ce sont des amis qui vous payent la bière. Vous voulez aussi démontrer que moi aussi je vais... Non, n'impressionnez pas, vivez votre vie, aidez votre famille, et peut-être qu'avec cet esprit, vous pourriez être en mesure, n'est-ce pas, d'accumuler ce qu'on peut accumuler. Il y a un autre esprit qui a été créé ici à Kinshasa, parce qu'en fait, Kinshasa c'est le point d'explosion de toute la culture dans le pays, avec l'esprit de jouissance. Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa. Et la voix du Zaïre avec ma tête à Kanda, quand il pompait tout le monde, dans les enfants dans le village, il faut aller à Kinshasa. Et moi aussi. Oui. Et au fait, c'est quoi? Cet esprit de jouissance avec l'argent qu'on a acquis sans effort a fait que les gens, que quand on est à Kinshasa, on a nécessairement en ville, au fait, pas seulement à Kinshasa, il faut nécessairement avoir de l'argent. Mais l'avoir comment? N'importe comment. Et qu'est-ce qu'on a fait? On se montre qu'on a l'argent. Et cet esprit est parti, par exemple, jusqu'en Mbujimayi. Le diamant, il a été exploité à Tchikapa. Le diamant exploité. Il y a des gens qui sont devenus, quelqu'un racontait une anecdote, il dit, voilà, nous avons pris un avion, un petit porteur pour aller à Tchikapa avec un monsieur qui est venu, dit, moi je suis venu riche, j'ai une chaîne hôtelière, et grâce au diamant qui vient de Tchikapa, je dois aller voir Tchikapa là, ça doit être quelle sorte de ville. Ils viennent, ils suivent, ils disent, voilà, on est à Tchikapa, c'est ça Tchikapa. Il dit, c'est ça Tchikapa. Il dit, non, qu'on n'atterrisse pas, rentrons. Ça me fera beaucoup de peine d'aller voir. C'est ça là. Dit, mais toute ma richesse vient de là, mais je vois ce que j'ai. Un Européen. C'est quoi? Ces gens-là, bon, il a l'argent. Ils vendent, ils viennent vendre ici. Et ils étaient bien connus au marché, en ville ici. J'ai d'ailleurs un des amis du quartier qui était ancien. Diamantifère, comme il dit. Hein? Alors, il dit, quand il arrive, il entre dans un bar ou dans un restaurant, vous êtes en train de manger, il ne vous connaît pas. Pour montrer qu'il a l'argent, il dit barman, restaurateur d'eau, tous ces gens-là, quand ils mangent, faites-moi la facture, je vais payer. Ça, c'est un comportement de pauvre. Oui. Et il va payer, il sort de dollars, il paye tout ça. Hein? Alors français, hein. Donc c'est dans cet esprit un autre aussi qui va creuser. Aujourd'hui, quand les diamants, il y en a encore en Mbujimayi, mais en profondeur, il faut des appareils pour. Maintenant, c'est lui qui était là, il n'est plus là. Alors, tout le monde est devenu ici avec des montants pour venir des taxes montants. Mais c'était des gens qui manipulaient par des centaines de milliers de dollars. Des comportements à ne pas faire. Bon, moi, j'avais une boîte que j'exploitais. Vous arrivez à un certain moment, c'était à l'époque de Chekula, donc les chèques en Europe et tout ça. À un certain moment, vers minuit, une heure, quelqu'un commence à jeter l'argent. Ah oui, des dollars, des francs, des euros, ils jettent. Et puis, on me dit, mais chef, vous voyez vraiment quelqu'un qui est complètement ivre, mais il y a de l'argent, les gens ramassent, il est content et tout ça. Et puis, il entre dans la voiture et il part. Avec des comportements comme ça, on ne va jamais se développer. Parce que l'argent n'a pas besoin de bruit. L'argent, on le met en poche, il ne faut pas le montrer. Dans d'autres sociétés comme ça, on vient de flinguer, on prend l'argent. Pourquoi nous rigolons avec... Donc, c'est des attitudes... Et à une fête, oui. Il met... Alors, quand quelqu'un danse... Poche, alors, il vient pour ceux qui dansent là. Il a de gros billets de 10 dollars ou 20 dollars. Même non, 100 dollars. 50 dollars, 100 dollars.
fille, tout le monde est en train d'applaudir, après ça t'a la tête, alors il est en train de distribuer. Avec cette attitude, comment tu veux qu'il y ait des gens qui, riches qui créent des entreprises et qui engagent des jeunes pour leur donner du travail, au lieu de dire, ouais, je suis fier, j'emploie 800 pères congolais et ils construisent des maisons, ils se marient, ils sont ceci. Moi, au moins, je peux dire, Jean-Pierre Kibambi, que je l'ai fait. Mm-hmm. J'ai construit deux entreprises, j'ai engagé des gens, j'avais à un moment donné 300 travailleurs, et il y en a qui se sont mariés, et qui ont construit des maisons, et qui ont donné mon nom à leurs enfants. Aujourd'hui, je suis au bout du rouleau pour aller dans l'au-delà. Mais quand je regarde quand même mon passé, je dis, ben, j'ai dû rendre certaines personnes heureuses. Que Dieu te garde heureuse. Encore sur terre, nous garde encore sur terre. Alors, mot de la fin peut-être. Oui, bon, je crois que si c'était des phénomènes isolés, des gens qui distribuent comme ça, un peu partout on a connu ça, parce que quand on voit les films du Far West, mm-hmm. quand les gens avaient gagné beaucoup d'argent, l'arrivée dans un bistrot, ils payaient la tournée à tout le monde. Mais nous, ce n'est pas l'exception, mais c'est la règle. C'est-à-dire que les gens qui peuvent de temps en temps montrer qu'ils ont gagné au casino ou quoi, bon, ça peut arriver partout. Mais quand ça devient le comportement de tous ceux qui ont un peu d'argent, beaucoup d'argent, gagné de façon trop facile, c'est ça le point. Mm-hmm. C'est parce que c'est de l'argent facile. Et ça remonte à 60. Quand collègue Brackmann nous disait qu'en Belgique, on a voté un budget de 7 millions d'euros de l'époque pour venir distribuer à tous les politiciens, oui. tous les gens influents la ici. La corruption déjà. Là, oui, c'était déjà la corruption. Et donc, l'argent gagné aussi facilement. Au lendemain de l'indépendance, a cassé la génération de ceux qui auraient dû transmettre des valeurs hein, par rapport justement à l'argent. Et donc, depuis lors, tout le monde veut faire la politique parce qu'on a l'argent facilement là-bas, etc. Donc, il faut casser ça. C'est la remise en question dont parlait Mabika Kalanda en 60. Aussi longtemps qu'on n'aura pas fait ça pour nous décoloniser mentalement et avoir des rapports différents vis-à-vis d'abord de notre pays et de nos richesses, parce que nous devons prendre conscience que c'est vraiment notre patrimoine. D'accord. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on n'a pas parlé de certaines femmes qui, effectivement, vont en Chine ou aller en Chine, ont accumulé de l'argent, ils trouvent au coin de la rue un farceur qui les pousse pour dilapider tout l'argent et vous devenez... On commence à parler de vous au passé, vous savez, moi, si on a Zahin Mbongo. Donc, l'argent, il faut le respecter. Le rapport à l'argent doit être un rapport de sérieux. Et vous verrez que petit à petit, on aura des riches parce que ce n'est pas possible de vivre dans un pays comme celui-ci et de ne pas savoir comment percer le secret de l'argent. Pourvu que vous le gardiez, pourvu que vous l'accumuliez. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous étions très heureux de vous présenter ce numéro. J'espère que vous retiendrez les quelques conseils que mon ami Cyril Mobimba Achimba et Modeste Bonigaba vous ont donné. Mobimba n'aime plus qu'on l'appelle Cyril. C'est lui qui s'était présenté comme ça à moi. Maintenant, il me le reproche de... Voilà, cette émission est terminée. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous l'avons présentée. Au revoir.